dans le magnifique paysage de Lavaltrie, chez Eva Lavaltrie, dans Lanaudière, avec des gens attachants, avec entre autres Sophie qui est là, et bien sûr José. Comment ça va vous deux? Ça va bien. Ça va bien. Vous êtes souriantes comme tout, et on comprend, on est dans une unité modèle. Il faut expliquer où on se trouve, effectivement, puis c'est un lieu qui fait tourner bien des têtes. Quand les gens visitent, il faut nous raconter qu'est-ce que ça représente ici. Dans le fond, en ce moment, on est dans un de nos appartements modèles. Mm-hmm. Modèle, c'est qu'on le meuble pour donner une idée aux gens de qu'est-ce que ça donne un bel appartement quand ils ont mis justement leur amour dedans. Et ça paraît qu'il y a de l'amour ici. Oui, il y a même un linge à vaisselle. Il y a tout ce qu'il y a. Un peu plus pour se faire dîner. Hein? On se commandera de la nourriture d'en bas. On fera ça. Eh oui, on peut faire ça. Mais c'est vrai que quand c'est meublé, parce que c'est pas tout le monde qui peut imaginer ce que ça, à quoi ça va ressembler. Puis c'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour les autos qu'on vend. Il ne faut pas que ça soit vide. Il faut qu'il y ait de la vie. Comme on dit, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'amour c'est un ça. Peu. Là. C'est ça. Fait que ici, dans le fond, c'est un modèle de 4,5 sur un coin. On a plusieurs autres modèles. Mm-hmm. On a aussi en ce moment des belles, bien, toujours des belles promos à votre image. Fait que les gens viennent me rencontrer et on trouve quelque chose qui est fait pour eux. Dans tous les sens du terme, que ce soit l'appartement, mm-hmm. les activités, on a beaucoup de choses à offrir. Dans Lanaudière, le bien, c'est qu'on a beaucoup de nature. C'est vrai, oui, tout à fait. Juste derrière un beau sentier où les gens peuvent aller marcher, sur le bout du chemin Lavaltrie, on tombe sur le fleuve Saint-Laurent avec un quai. Fait qu'on a tout à portée de la main. Le centre commercial aussi. Là. Oui, ah, oui, on a tout à portée de la main. Ce qu'ils ont encore plus, c'est qu'ici, c'est un endroit qui est chaleureux, familial. 142 portes que nous avons. Donc, nos résidents, on les connaît bien. Mm-hmm. Ils nous connaissent bien aussi. Fait que c'est le fun. C'est intéressant. Ça que... Et ça passe beaucoup par le bureau de Sophie, m'a-t-on dit? Oui. Sophie qui est accueillante. Sophie qui a beaucoup à offrir aussi, parce que c'est vrai, comme le mentionne José avec justesse, c'est fou les activités qu'on retrouve. On m'en parlait tantôt dans quelques minutes à peine. Entre autres avec Nancy et une dame qui va venir témoigner de son amour comme résidente chez Eva, bien sûr, Lavaltrie. Mais parlons-en de tout ce qu'il y a à offrir, parce que, outre les activités, etc., les gens en redemandent. Les gens du coin, puis les gens aussi du Grand Montréal qui viennent trouver... C'est ça, exactement. Donc, on a beaucoup de chance. Nous avons nos résidents qui viennent de la région de Lanaudière, des Lavaltrois, comme ailleurs dans la région. Et aussi, nous avons pas mal de personnes qui viennent de la région de Montréal. Bon. Qui viennent ici parce que, bon, c'est paisible, on y est bien, la région est magnifique, il y a beaucoup d'activités. Et c'est vraiment le fun de les voir arriver chez nous et de découvrir la région. Résidence telle qu'elle est, ben, et voilà. De voir la grande famille que nous sommes aussi. Mm-hmm. On a beaucoup de plaisir à les recevoir. Puis avec un bel accueil comme ça, comment vouloir repartir par la suite? Et on est dans une période, ces années-ci aussi, on va sûrement être d'accord, José, où les gens décident de quitter maison. Oui. Et peut-être plus tôt que prévu parce que le marché est favorable. Donc là, c'est intéressant de savoir qu'ici, on peut avoir tout ça et un seul paiement, on va le dire comme ça. Il n'y a c'est rien ça. À penser. Tout est inclus. C'est inclus. Vraiment, tu sais, le chauffage, l'électricité, le téléphone, le câble, la climatisation. Fait qu'ils ont tout. Moi, je dis souvent, c'est comme une petite mini-ville à portée de la main. Oui. Sans même sortir de la résidence, dans le fond, ils ont leur activité, ils ont la salle à manger. Salle à manger, c'est vraiment un beau service à la table. On peut même apporter notre vin, quoi de mieux. Bon, fait que c'est oui, bien ça. Oui, ouais. Tout est fait. Qu'une personne soit plus tranquille, plus partée, il y a de tout pour tout le monde. C'est ça qui est le fun. Bien. Alors, en tout cas, ça a l'air de vous rendre heureuse, toutes les deux. On va venir rester ici plus tard. Ben oui, c'est ça. Dans notre attention. J'imagine que vous avez réservé votre appartement. On n'est pas loin de là. C'est bon, c'est excellent. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir, c'est le cas de le dire, mis la table pour nous. Et là, on se tourne du côté de Nancy et de Lorraine. Nancy s'occupant des activités, Lorraine étant une charmante résidente d'Eva Lavaltrie. Merci à vous deux, mesdames. Merci. À bientôt. Chez Eva Lavaltrie, on vous dit à quel point il y a des gens sympathiques. Et c'est le cas de Nancy et aussi d'une résidente hors pair. On le dit, c'est Lorraine qui est là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Et c'est vrai que c'est invitant chez nous tellement qu'on a gagné un bel emploi, un emploi qui est valorisant. Nancy, on s'occupe des activités ici. Oui, tout à fait. C'est un emploi, mais en même temps, c'est pas un emploi. Quand je rentre le matin, moi, je suis super contente. J'arrive ici avec le calendrier que je monte à chaque mois, avec nos belles activités qui sont très, très, très diversifiées.
On parle de bingo, d'activité physique, d'activité de bricolage. J'en passe là, vraiment là, l'été, le shuffleboard, la pétanque, on s'adapte. L'aquaforme aussi. Non, c'est bien. Oui. C'est important, on reste en forme, on reste jeune. Oui, on reste jeune, Lorraine, et on reste en forme. Je rajeunis ici, moi. Ben oui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les activités, Lorraine, entre autres? Il y a beaucoup de bricolage. Oui. Créatif. Bien. Oui, le bingo, les thématiques aussi, c'est bien agréable. Et en collaboration avec Nancy, je participe à l'évolution des ateliers. On a des ateliers de dessin. Puis vous avez votre mot à dire, ça, on entend ça souvent, et ça, c'est intéressant. On reste à l'écoute. Vous n'êtes pas arrivé ici, Nancy, avec un plan de match en disant « c'est ça, c'est solide, on ne bouge pas ». Les goûts ont évolué. Puis ça, j'imagine qu'on est à l'écoute quand c'est le temps de marquer de nouvelles activités. Hein, tout à fait, menu. Tout à fait. J'aime ça. J'écoute aussi les gens. Puis quand une activité pogne un petit peu moins ou qu'il y a un petit peu moins d'intérêt, soit que je la rehausse, tu sais, pour aller chercher, mais je suis vraiment à l'écoute des gens. Qu'est-ce qu'ils aiment? Puis ils aiment beaucoup bouger. Fait que les activités physiques, ça, j'aime ça, les intégrer. Le club de marche, on marche 4 fois semaine, 2 fois par jour, avec les grands, les petits marcheurs. Oui, on s'adapte vraiment. Vraiment, c'est bien. Il faut juste pas oublier de revenir à la maison. Oui, exactement. Ça, en hiver, c'est plus difficile de pas revenir. Oui, c'est certain. Il y a avec un bon chocolat chaud qui nous attend. Ouais. Ben, merci à vous deux. Bravo merci pour, évidemment, le beau travail. Et merci également d'avoir été avec nous, Lorraine. C'est apprécié. Vos témoignages. Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci.